Ouais, c'est un peu ouf ici, mon cas. Mais effectivement, regarde, tu vois bien le truc ici. Regarde, je sais même pas combien il y a de voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a des 15, voix en dessous. et ça passe en dessous, 15. Plus ce qui se passe en dessous. En dessous, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est un délire. Ok, donc bah on est de retour à Life à Soc pour voir un condo qui est cette fois le A Soc Hype. Donc je suis avec mon pote Baptiste. Salut Baptiste. Oui, salut Jérémy. Mais Baptiste, il est timide, il veut pas qu'on le filme. Il veut pas avoir sa trombine sur Internet. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas avoir la mienne de trombine sur Internet. Le but, c'est que vous voyez ce qu'on peut avoir comme condo en Thaïlande. Je vous avais déjà montré le celui d'à côté. Merde, j'ai oublié le nom. C'est Life A Soc Life. Et là où on va, A Soc Hype. Voilà. C'était A Soc Rama 9, c'est ça. Et donc en fait, c'est assez impressionnant parce que vous voyez, ça fait des gros buildings de ouf comme ça. Là, on est en train de se balader dans les jardins, là en bas au milieu. Et voilà quoi. C'est quoi la station de métro là ici la plus proche? Ici, c'est Phetchaburi. Phetchaburi. Il y a un arrêt de A Soc. On est juste à côté d'A Soc, ouais. Voilà, de Nana, tout ça. En fait, vous voyez là, ici en bas, il y a un 7-Eleven. Et par contre, ouais, c'est vrai que ça peut avoir un côté un peu flippant, tu vois, les méga tours, les méga buildings. Donc j'en avais visité un où on voyait justement les facilities qui sont juste complètement barges. Je veux dire, faut à un moment donné, faut qu'on se dise les choses, quoi. J'ai jamais vu un truc aussi dingue. Et il se trouve que mon pote Baptiste, eh ben, il a rien trouvé de mieux que de louer un appartement dans le building d'à côté. Parce qu'il avait vu mes vidéos, c'est ça, hein? C'est ça, voilà. C'est grâce à Jérémy que je suis allé en Thaïlande. En plus, merci Jérémy. C'est à cause de moi. Je lui ai dit. Jérémy, l'influenceur. Bref, je lui ai dit, mon pote, tu sais quoi, tu vas nous montrer ton appart et tu vas nous montrer les facilities. Alors, il se trouve que ce building, j'avais déjà filmé. Mais ça rendait pas grand-chose parce que j'avais fait ça avec mon téléphone. Donc en fait, je vous l'avais pas montré, quoi. Voilà. Donc là, ben voilà, j'ai une meilleure caméra. J'espère. Vous voyez un peu, je fais un peu les images là comme ça. Avouez, c'est dingue. Hein. Je te couperai, t'inquiète. Bon, je vais d'abord aller aux toilettes. Ouais. Ben ça, on n'est pas obligé de l'avoir dans la vidéo non plus. Voilà. Non, mais tu peux filmer le lobby par contre. Ouais. Alors attends, ici j'essaye de filmer en toute discrétion, tu vois, sans montrer. Ouais, ça c'est le juristique. T'as toujours un truc comme ça. Là, ici, t'as des boîtes aux lettres. Voilà. Puis bah, t'as le hall. Alors on va voir tout ça. Je m'étais renseigné en fait pour voir combien ça coûtait. Et en fait, ben, il était full ce building. Ils en avaient plus de dispo pour les étrangers. En fait, il y a toujours une proportion qui est pour les locaux et une qui est pour les étrangers. Et la proportion d'appartements pour les étrangers, eh bien, voilà, elle était déjà tout vendue. Donc, je parle en toute discrétion là, parce que je filme mon caméra. Discrète, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas cachée, ma caméra. Je l'ai autour du cou. Et voilà quoi. J'espère que le son il va être bon et qu'on m'entendra correctement. Alors, tu nous fais voir les facilities? Putain, ouais, c'est vrai que ça renvoie. Donc là, ça fait des espaces de coworking en fait. Donc là, ouais, vous voyez les facilities, il y a beaucoup d'espaces de coworking comme ça, c'est très à la mode. Alors il paraît que ce quartier là où on est, c'est le futur quartier d'affaires qui vont développer de plus en plus
à Bangkok. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est les facilities, enfin clairement les espaces communs, piscine, la gym et tout quoi, voilà. Et pourtant, Baptiste, on va en parler, mais tu m'as expliqué que tu vas te barrer d'ici 2 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, j'en ai marre. Les carottes sont cuites. Trop de luxe, tu le luxe. Comment je fais là? Non, mais moi, je casse. Ah bah, vous allez voir au moment de visiter la chambre. Bon, on va voir ça. On peut y aller, hein? Ouais. On va à la chambre. On fait la chambre ou les facilities d'abord, la piscine? Bah, la on fait la chambre en premier? Bon, d'accord. Alors, vous voyez, là, on est à l'étage de mon pote. C'est un peu flippant, hein, tu vois, ça fait un côté un peu comme ça. Ouverture avec le code. C'est ouf, ça. Ouais, attends, faut que je range. Vas-y. Il a pas rangé, il a des chaussettes sales. Bon, tu nous dis quand on peut rentrer? Écoute, voilà, alors là, on est au balcon de mon pote. Et c'est vrai que c'est... Waouh, en fait, je sais pas si vous voyez, il y a une autoroute là, juste en bas. Une 2x4 voies. Vas-y. Ouais, bah attends, comment t'ouvres ici? Oh la vache, ah ouais, d'accord. Voilà, donc vous entendez un peu le niveau sonore? Enfin, je sais pas si vous entendez, mais en fait, c'est la raison pour laquelle mon pote il veut se barrer. Vous voyez? C'est qu'en fait, c'est bien. C'est très bien, l'emplacement, c'est top et tout. Vous voyez là, ici, on a la gare qui, avec le train. Ça, c'est le train qui va jusqu'à l'aéroport, si je dis pas de bêtises, non? Je sais pas. Il me semble, hein. Il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, quoi, l'emplacement, il est vraiment oufissime. Là, il y a plusieurs routes. Là, il y a mais, ouais, bah ouais. Il y a des, dessous, il y a d'autres routes. Dessus, il y a d'autres routes. À côté, enfin, je crois que j'avais compté 16 voies à peu près. Ah, il y a une piscine en bas. Je sais pas si on peut y nager, mais c'est vrai que instant détente, là, à la piscine, avec le vacarme des bagnoles, c'est pas gégène. Hein. Puis en plus, ça rebondit le son là sur les surfaces. Ça monte. Ouais, je comprends. Donc en fait, la raison pour laquelle tu veux te barrer, malgré la qualité de l'appart et de l'emplacement, c'est ça, c'est le son, quoi. C'est surtout le bruit, ouais. Après, l'appartement, bon, je le trouve basique, un peu trop basique, mais... Tiens, tu nous fais voir un peu, voilà, bah tu sais, c'est vite vu, hein. Là, ici, on a une cuisine, voilà, un coin cuisine. Là, ici, on a... derrière, on a la machine, le frigo, le machin, le truc. Tiens, ça, c'est que t'as été faire son crâne, ça, ouais, bah ouais. Là, ici, on a un coin lit, enfin, canapé télé, convertible en lit, probablement. Là, ici, on a la cuisine qui est séparée avec une baie vitrée. Ça, c'est typique d'ici. Ils aiment ouais, bien faire ça. Pour économiser la clim. Ah, moi, je croyais que c'était pour les odeurs, tu vois. Non, en fait, je pense que c'est pour économiser la clim. Et donc, en gros, si on va pas ici, on peut mettre la clim uniquement dans le salon, par exemple. Ah ouais, c'est pas con. Ouais. Tu vois, moi, pour moi, c'était plus pour les odeurs. La chambre, on peut voir vite fait? Tu peux voir bon. La vue de, ouais, de la, ouais. Bon, la chambre... Ouais, c'est trop le bazar. Non, je couperai la chambre. Mais regarde la vue. Alors, là, ici, on est dans la chambre. Là, il y a une belle vue, quand même. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il y a une belle vue. Et là, on entend moins la route. Parce qu'il y a du double vitrage. Pas sûr que ce soit du double vitrage, ça. Si? Si, je pense. On entend moins, mais ouais, ça reste bruyant, ouais. Ah, c'est ça le problème, hein. Regarde un peu. Et puis en plus, t'es pas très haut, finalement. On est au combienième étage, là, ici? 22. Alors, faut savoir un truc, et ça, c'est plusieurs agents immobiliers qui me l'ont dit, c'est que tout ce qui est en dessous du 19e étage, ça sera systématiquement considéré comme low floor, c'est-à-dire des étages bas. Et ils privilégient toujours... des étages hauts qui sont plus chers, qui sont voilà, et qui sont bah, avec une meilleure vue et puis peut-être un peu moins de bruit, ça je ne sais pas à vrai dire, peut-être un peu moins de bruit effectivement, mais les étages supérieurs ouais sont privilégiés parce qu'en plus pour les investisseurs qui vont acheter en étage bas,
eh ben, t'as le risque d'avoir un autre building qui se construise juste en face de chez toi, et là, ben, c'est la loose, hein. Au revoir la lumière. Hein. Et donc, ben, voilà. Ok, et on a une salle de bain ici. Bon, la chambre, je vous montre pas trop parce qu'il a pas fait son lit. Il a... et hop là, voilà. Ben, c'est basique, hein. Une douche italienne, un toilette, un évier, merci, c'est tout. Hein. Voilà. C'est basique, mais... C'est basique, mais ça fait le taf. Ouais, mais c'est plus grand que Paris en général. Ah ouais, Paris, les douches, elles sont minuscules. Non, mais attends, tu compares avec Paname, qu'est-ce que tu veux comparer? On est dans la capitale. Oui, c'est vrai, après tout. Alors, vous voyez, tout ce qu'on voit là-haut, là, ici, on avait déjà visité, c'est là où il y avait les facilities avec les salles de gym, piscine de ouf, sur Asok Rama Life, Asok Life. Ici, on est dans Asok Hype. Donc, le premier, en fait... Là, ici, on est dans le premier des deux buildings qui a été construit, voilà, qui est un petit peu plus ancien. Je ne sais pas quel âge il a, mais c'est vrai que c'est très impressionnant, vous voyez, vu d'ici, le nombre d'appart. Moi, ça, quand j'avais vu ça, ça m'avait fait un peu bizarre, tu vois. Mais en même temps, ben voilà, on va aller voir les facilities. Ok, donc là, on est arrivé au 40e étage et on va aller voir... Du building Asok Hype, on est encore plus haut, vous voyez, on est tout en haut. Et tu me disais, mon pote, on va aller voir la salle de gym et la piscine, c'est ça? Bon, là, il y a les chiottes, si tu veux montrer. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Là, il y a la sauna. Bon, enfin, si, y a... Ah ouais, c'est toilette sauna, ouais, d'accord. Avec du marbre dans les toilettes. Ouais. Regarde, je vais te faire un truc, mais tu vas halluciner. Regarde, fermé, c'est ouais. Fermé. Ouais. C'est ouvert. Ah bah tiens, ça c'est étonnant. Bah celui-là. La sauna. Ah oui, d'accord. Bon, c'est un sauna quoi. Ah bah il fait chaud. Il fait encore chaud dehors. Et ça c'est quoi? C'est le hammam? Une douche. Non, c'est une douche. Fais attention à bord de verre s'il y a quelqu'un. Ok, là on est à la partie piscine, on va pas embêter trop les gens. Voilà, wow, la vue elle est sympa quoi. Alors, en général, tu vois, je suis même surpris qu'il y ait des gens ici parce que en général les gens ils se... Ils aiment le soleil? Ouais, c'est ça, ils aiment pas s'exposer au soleil. En fait, ça fait comme des espèces de bains là, tu vois. Oh, c'est super sympa. Très bien. Ah ouais, bah c'est ouais, c'est assez relax, attends mec, t'imagines. Ça ressemble à une de mes copines, je sais pas. C'est vrai, ah. T'imagines, tu prends ta petite bière ici, posée, tout ça. Puis regarde la vue, quoi, piscine à débordement, au 40e étage. C'est vrai, tu y vas rarement? Pourquoi? Je sais pas, peut-être à cause de moi. Peut-être à cause, c'est pas si bruyant que ça. Hein. Et donc on est à la salle de gym. Ouais, je me souviens, la salle de gym, je l'avais vue. Elle m'avait quand même bien scotché, quoi. Parce que ben voilà, tu vois, tu fais ta gym. Et t'as vu, ils ont mis des vitres pour séparer, ça c'est les trucs Covid. Tu vois, ils ont mis des vitres pour séparer entre les postes cardio. Waouh. Impressionnant, hein. Ah ouais, il y a le pont là où on pourra marcher. Bah oui, parce qu'il y a un pont qui rejoint l'autre bâtiment, il me semble, non? C'est dans le bâtiment, mais tu verras. C'est top. Attends, regarde, là tu vois, tu fais ta gym, et en même temps, bah voilà, t'as la vue de malade. Ça va, il n'y a pas trop de vis-à-vis, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de vis-à-vis. Bon, les gens, ils sont bons. Bon, les gens, ils regardent pas ce qui se passe ailleurs. Ouais, bon, là, il y a des choses à poil avant que je t'amuse. Même avec la lumière. D'accord. Il y a des gens ici, on va éviter de trop les filmer. Et là, ici, on est sur la partie haute de la salle de gym. Ouais, c'est un peu oufissime, quoi.
Mais effectivement, regarde, tu vois bien le truc ici. Regarde, je sais même pas combien il y a de voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 et ça passe en dessous, 15. Plus ce qui se passe en dessous. En dessous, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pouah. Ouais, c'est un délire. C'est un délire. Bah, puis il faut voir aussi un truc, c'est que les normes, tu vois, bruit et compagnie, c'est pas comme, comme chez nous, quoi. Là, on a des petites serviettes qui sont données là pour quand tu fais ta gym. Et on retourne ici sur. Moi, ça m'impressionne hein, la piscine ici. Hein. On va aller en haut. Ouais. Très bien. Merci. Regarde-moi ça. T'as des douches ici devant. Vous voyez, on avait été ouais, dans l'autre building en fait, en face à toute la partie, l'espèce de chapeau blanc, où il y a aussi des espèces de bains, piscines. Voilà, et là ici, on a un espace de relaxation, coworking. Si tu veux trouver inspiration quand tu écris tes articles, quand tu prépares tes vidéos YouTube. Mais pas non, je ne vais pas parler, je vais juste montrer. Tu auras sûrement des Français. J'ai hésité à marcher, tu sais, j'ai eu une espèce de petit, ouais, une petite peur. Waouh! Cette ville, elle est folle. Vers les décorations. Ah ouais. On dirait des capsules d'espresso. C'est ça? Je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Ok. Voilà, on va pas trop filmer pour pas trop embêter les gens, mais voyez un peu à quoi ça ressemble. T'as des coussins, tu peux t'asseoir, t'as des canapes pour travailler. Enfin, ce genre d'endroit, moi je pense que c'est vraiment pensé, conçu pour être un genre de paradis pour les nomades digitaux, quoi. Ah oui, et ici on a le pont, ouais. Voilà, tu vois. Et là, en fait, on est dans In the Sky. On est dans le ciel avec une plateforme en verre. Et cette ville qui est partout. On est dans le jardin, il fait très chaud hein, aujourd'hui. Mais vous voyez, tu peux te mettre ici, chiller avec ton ordi portable ou ta tablette, écrire des trucs, tu vois. Trouver l'inspiration, créer. Ou rien faire, ou boire des coups avec des amis. C'est aussi tout à fait envisageable. Baptiste, ça coûte combien un appartement comme celui-ci dans lequel t'es? Je crois que sur le long terme, ça coûte 700 euros, avec un contrat de 12 mois. À la location, ouais. Ouais. Et moi, avec Airbnb, c'est 1070 euros. Ouais, en fait, t'as payé beaucoup plus cher parce que c'est Airbnb. Mais en fait, le truc, c'est qu'il me semble que c'est pas... Ils le font, mais ils n'ont pas le droit de le faire, quoi. Ouais, ils n'ont pas le droit. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est ça le truc. C'est que, bah voilà, Baptiste, il a loué ici en Airbnb, ça lui fait un peu plus de 1000 balles au mois. Mais le truc, c'est que, bah, ils le font sans le faire, tout en le faisant, quoi, si tu préfères. Parce qu'en fait, si tu veux, ces condos, ils proposent un tel niveau de qualité, de service, de prestation,
qu'en fait, si tu veux, ça fait une concurrence de malade par rapport aux hôtels, par rapport au lobby de hôtelier, quoi. Enfin, je peux me tromper, encore une fois, hein, je voilà, mais c'est la compréhension que j'en ai eue, tu vois. C'est que, voilà, ils essayent justement de garder leur précaré, bon, hein, voilà. Et donc, du coup, le Airbnb est interdit. Mais bon, bah voilà, tu sais comment ça se passe, hein, les mecs, des fois, quand ils ont pas le droit, ils prennent le gauche, quoi, voilà. Donc, bon, voilà, lui, il en a profité parce que c'était l'occasion pour vivre une forme d'expérience en étant ici, en voyant un petit peu comment ça se passe, en profitant, et voilà, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? T'es content d'être venu ici, quand même? Ouais, je suis content, ouais, je suis très content. Donc, moi, j'ai loué un mois, justement, pour respecter la loi. Ah oui. Par rapport aux interdictions, donc, des locations à la nuitée. D'accord. Donc là, voilà, mon mois se finit bientôt et là, je vais louer un appart long terme. Tu vas choisir où? C'est seuil 33. Ouais, sur Sukhumvit. Ouais, Sukhumvit, seuil 33. C'est l'arrêt Prampong. Ouais. Donc près d'Asok. Ouais. Et justement, l'appart, il est assez différent, donc c'est beaucoup plus calme. Ouais. Même très, très, très calme. Et avec des facilities très bien aussi, un peu moins bien. Un peu moins bien, parce que c'est vrai qu'ici, on est dans un niveau qui est juste complètement ouf. Je me demande si l'autre en face, c'était pas encore plus... C'est encore plus ouf. C'était encore plus ouf. Parce qu'il y a 2000 apparts. 2000 apparts. Là, il y a que 500, là. Ah oui, il y en a que 500, effectivement. C'est petit, c'est ridicule. Bah oui, ça va, évidemment, 500, c'est rien. Quelle question. Ah oui, d'accord. Et l'autre, ouais, 2000. Donc forcément, ça drive énormément de monde. Il faut savoir, en fait, que... Alors, celui-là, donc, comme je vous le disais au début, la portion d'appartement qui est réservée aux étrangers, elle est complètement vendue. Il reste des appartements réservés aux locaux, qui, eux, n'ont pas été vendus. Je le sais, parce que c'est ce que les gens de l'immeuble m'avaient dit donc, à ce moment-là. Et dans l'autre, il en reste encore. Mais ce que j'avais vu, ouais, au niveau Presta, enfin, au niveau des apparts, c'est pareil, quoi. C'est que les facilities, c'est dingo, mais l'appart en lui-même, ouais, c'était basique, quoi, je dirais. Voilà, c'était bien, mais pas non plus complètement dingo, quoi. Après, tout dépend de ce qu'on recherche, hein, voilà. C'est vrai, il semblerait que ce qui soit très apprécié aujourd'hui, ce soit des appartements de surface pas trop grande, mais avec du service, du service, du service, quoi. Tout dépend. Pourtant, les mecs, ils le font, donc qu'est-ce que tu veux? Donc là, on est à nouveau dans le lobby, qui est très joli. Tu vois, si t'as, je sais pas, des amis avec qui tu souhaites discuter, tu vois, tu peux te poser ici. Ça peut être un client aussi, par exemple. Tu vois, ça peut être de poser. Moi, je trouve que c'est très très bonne idée. C'est salon, parce que ça permet, tu vois, puis t'as encore des espaces de coworking. Ouais, donc en fait, si tu veux, le fait qu'on ait des espaces de coworking comme ça, je trouve que c'est très 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 intéressant et que c'est une bonne... Ouais, il me semble que c'est une bonne approche, quoi. C'est une bonne approche. Après, enfin, je sais pas, en termes d'investissement, par rapport aux charges, etc., tu vois, faut vraiment creuser plus loin, parce que je suis pas certain qu'il s'agisse nécessairement d'un investissement qui permette d'obtenir une forte rentabilité. On a parfois tendance à vouloir chercher absolument la renta, la renta, la renta. Mais la renta, dans le cas présent ici, elle pourrait être assez cassée d'une certaine façon, assez abîmée par un montant des charges qui pourrait évidemment s'avérer excessif. Alors on va se poser ici, on va être bien. Hop là. Avec des miroirs partout. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup
de Chinois aussi dans ce quartier-là. Bon, c'est ce qu'on m'avait dit. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment le truc. Voilà. Non, moi je trouve que c'est vraiment super cool, quoi. Hop là. Donc voilà, c'était l'occasion de vous montrer en fait ce qui peut. Donc voilà, c'était l'occasion de vous montrer en fait ce qui peut se passer quand on... à quoi ça peut on peut s'attendre dans ce genre d'immeuble. Et il y a un jardin aussi devant. Je pense que ça pourrait valoir le coup que on le montre un petit peu. On va aller faire un tour. Donc là, ici, on a un espace pour le food delivery. Hein. Les gens qui délivrent de la nourriture, ils doivent venir ici. Tout est très ordonné. Les jardins, ici, tu as un espace en dessous. Tu as des bancs, si tu veux te poser, lire un livre. Mais tu as quand même ce bruit de fond hein, qui est là tout de même, avec les voitures. Ce qui peut avoir un côté un peu perturbant, hein, faut le reconnaître. Ça peut avoir un côté un peu perturbant. Voilà. C'est un arbre ici. Je sais pas ce que c'est ici, ce truc-là. De l'autre côté, il me semble qu'il y avait des espaces de jeu un peu pour les enfants aussi. Là, tu as comme une espèce d'estrade d'amphithéâtre. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu veux? Et ensuite, ça se passe par où? Par là, non? Je sais plus. Ouais, c'est fini, là. C'est fini? Ok, bon, bah on va arrêter là, ici. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et puis que ça fait le petit dépaysement. C'est toujours rigolo de voir un peu, surtout quand on est fan d'immobilier, quand on s'intéresse à l'immobilier, de voir un petit peu ce qui existe ailleurs. Et il y a des choses formidables, mais après, c'est vrai qu'on pourra en parler longtemps parce que c'est un marché qui est très particulier, avec beaucoup d'appartements qui ne sont pas loués, avec voilà, un marché aussi où il y a un marché pour les locaux, des prix pour les locaux, des prix pour les étrangers. Donc voilà, moi mon objectif c'est pas de vous dire c'est bien, c'est pas bien, chacun voit midi à sa porte. Il y a clairement des opportunités de dingue ici. Charge à chacun de voir ce qui convient par rapport à ton profil d'investisseur, par rapport à tes objectifs et aussi bien évidemment par rapport à tes envies tout simplement. Allez, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous fais une bise et puis je te dis à très bientôt. Salut chez toi.